Bonjour tout le monde, c'est Lena Scrab. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Project Life avec le kit de juillet de la boutique Dans mes pochettes, auquel j'ai ajouté une planche de tampons de Béatrice Garny. C'était la collection d'été l'an dernier qui s'appelait Limoncello, que vous pouvez toujours trouver en boutique, et également une planche de petits mots de la marque Studio Forti, qui sont peut-être encore en boutique. Je vous mettrai les liens en description. Donc ce kit, comme vous avez peut-être pu le voir passer sur les réseaux, est très coloré. C'est une collection de un core kit qui vient de chez ID Swap. Il est associé dans le kit à des papiers de la collection Long Courrier de Karine Cazenave, ainsi que les die cuts de la même collection. Je n'ai moi pas utilisé les die cuts. Ma vidéo en fait, enfin ma vidéo là avec cette semaine de Project Life reprend une semaine du mois de juin. Le thème vacances proposé par le kit n'était pas encore tout à fait dans le thème de mes photos, donc du coup j'ai un peu détourné d'autres éléments pour pouvoir me permettre de faire mon PL avec ce kit. Donc j'ai tamponné comme vous avez pu le voir les éléments de la planche de tampon de Béatrice avec ma stamp enfin ma stamping pad de Timols et je les ai colorisés en fait à l'aquarelle Prima. C'est la palette tropicale, on la voit à l'écran, c'est parfait, qui était vraiment bien dans les tons du kit. Et j'ai donc colorisé les petits éléments pour me permettre d'ajouter des embellissements à mes cartes PL. Donc ma répartition de cartes c'est faite entre les cartes du kit et puis des morceaux de Bristol blanc qui me permettaient de couper un petit peu les couleurs particulièrement vives du kit pour apporter un petit peu de légèreté et puis pour me permettre aussi de faire mes cartes de titre. Donc voilà, la colorisation à l'aquarelle, elle reste très simple. Hein. Je ne suis pas une grande pro de l'aquarelle, même si récemment j'ai eu le grand plaisir de suivre un atelier à Morlaix, pas très loin, à 1 heure à peu près de chez moi, un atelier avec Manuela Jamais de l'encre et d'image, qui nous a proposé un atelier de folie sur la maîtrise de l'aquarelle. On s'est vraiment régalé. Et j'espère que je vais pouvoir mettre tout ça en pratique pour faire des progrès dans les mois à venir. Mais là, ça reste vraiment bon pour le plaisir de coloriser puis d'utiliser ma palette. Et c'est surtout que les couleurs allaient très très bien également avec le kit. Donc sur cette double page, il n'y aura rien de vraiment très compliqué, mis à part quand on va le voir sur les différentes séquences, les petites interventions au niveau de l'aquarelle. Donc je vais vous laisser en musique pour découvrir tout ça et je reviens juste après.
régulièrement, je publie l'article, les photos, pour me rendre compte, une fois que c'est sur le blog, que je me suis trompée de numéro de semaine sur ma carte titre. J'ai un problème avec le numéro des semaines. Donc voilà, je positionne le petit tampon détouré par ma Steph pour pouvoir compléter cette petite carte de titre. Donc c'est une petite mise en page assez simple. J'utilise des éléments de la petite planche Limoncello pour ajouter un petit tamponnage en noir à la Versafine. Il y a un petit cœur, là, il est vraiment chouette. Il se casse facilement partout. Et voilà une carte de titre rapidement réalisée. Donc voilà, après, ben voilà, je vais chercher à mettre mes petits embellissements à droite, à gauche. Est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas? Et tout compte fait pour renoncer. Alors là, je vais réaliser une autre carte. Donc, j'ai toujours utilisé un fond de Bristol. J'avais préalablement préparé mes découpes. Là, c'est l'esperluette qui le dice des ateliers de Karine. Alors, je me souviens plus quelle était la collection. C'était peut-être bien Green and Graphic, mais je ne suis pas sûre qu'il y avait ce dice-là. Peut-être pas, non. Peut-être pas celle-ci. Je me rappelle plus. Mais enfin, en général, on peut la retrouver relativement facilement. Je ne sais pas si Perrine l'a en boutique. Si Perrine l'a en boutique, je vous le mettrai en commentaire. Mais si jamais elle ne l'a pas, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour lui demander si elle entre bientôt. Parce qu'il y a régulièrement des réassorts sur les produits qui ne sont plus en boutique. Donc j'ai utilisé ce dice esperluette comme décoration principale de ma carte avec toujours un petit peu la même technique d'aquarelle, le petit emballage plastique froissé avec un petit peu d'eau et de pigment d'aquarelle et puis la petite tache en appliquant le plastique sur la carte. Et puis voilà, j'associe mes petits embellissements pour ajouter un petit peu de couleur. J'avais donc préparé avant une petite boîte. On l'a vu au début de vidéo, on la reverra peut-être à l'écran avec mes découpes qui sont toutes faites dans du Bristol blanc. J'ai fait des petites découpes d'eyes et puis qui pouvaient correspondre un peu au style de la page, de la double page. Et puis du coup, voilà, on la voit là tout à fait. Alors là, c'est des dyes case art hein, pour la plupart d'entre eux, hormis l'esperluette qui vient des ateliers de Karine. Et grâce à mes petites découpes, bah, j'ai comme ça des embellissements qui vont être prêts à l'emploi. Et vous allez voir après comment je les adapte sur ma page. Alors ce petit tampon La Belle Ville vient toujours aussi de la planche Limoncello et j'ai mis quelques gouttes d'aquarelle dessus. Je me suis servi en fait de mon petit plastique, voilà, bah celui-ci qui sert à faire les tâches en fait, et il reste des petites gouttes à droite à gauche et donc du coup je l'ai légèrement frotté contre le plastique. Et voilà ce que je fais avec mes die-cuts, enfin mes die-cuts, avec mes découpes qui vont se transformer un petit peu en die-cuts puisque hop, je fais quelques tâches, je rajoute quelques petites nuances d'aquarelle dans les couleurs de ma page. Et puis, comme ça va me préparer des petits embellissements qui vont venir compléter ma page de Project Life. Alors, habituellement, je ne me prive pas d'utiliser les die cuts qui sont dans le kit, puisque dans ce kit-ci, nous avons tout le sachet de die cuts long courrier de Karine. Et du coup, c'est vrai que, bon, on peut facilement se trouver ces embellissements sans avoir à chercher trop, sauf que là évidemment les embellissements n'étaient pas tout à fait dans le thème de ma page. Elle sera pour les pages PL prochaines puisque ça commencera à approcher des vacances. Là j'ai voulu les garder en fait, je vais être honnête avec vous, j'ai voulu les garder pour pouvoir me permettre de les utiliser sur mes pages PL parlant plus des vacances. Mais comme quoi on peut toujours s'arranger avec ce qu'on a sous la main à la maison, en réserve, les tampons. Il ne faut vraiment pas hésiter à se servir de son matériel pour compléter. Alors là, c'est ma petite carte de journaling que j'ai préalablement préparée et imprimée à l'ordinateur. Je vous en ai déjà parlé hein, dans des vidéos précédentes de ma méthode. Je me crée une zone de texte sous Word et puis je prends la dimension de ma carte PL et ensuite je tape mon texte pour l'imprimer. Et puis ben voilà, je finis d'embellir ma page avec un petit tampon. Ça reste une mise en page assez simple. Il faut dire que les cartes et les papiers sont déjà bien,
bien colorées, plein de peps. Donc c'est vrai que du coup, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir les embellir facilement. Donc je rajoute un peu de volume à droite à gauche pour mettre un petit peu de dynamisme à tout ça. Et voilà, là, cette page-ci est quasiment finie. Il n'y a plus qu'à procéder un peu au collage. Alors pour la carte d'en bas, j'ai utilisé une des cartes du kit, une des grandes cartes, une 10-15, et puis j'ai ajouté dessus une des petites cartes. Pour couper un petit peu le graphisme et puis l'effet noir et blanc de la carte d'en dessous, ça ajoute une petite touche ça ajoute une touche graphiquement de le noir et le blanc. Je voulais pas qu'elle soit trop élevée, trop forte, puisque même si les couleurs du kit sont vives, j'ai quand même essayé de balancer cette vivacité de ton avec mes cartes maison blanche et l'aquarelle qui reste quand même. Même si les couleurs sont vives sur la palette tropicale, reste quand même quelque chose d'assez léger en apport de couleurs. Donc je ne voulais pas non plus que ce soit trop fort, mais en même temps je voulais une petite touche noir et blanc. Je trouvais que ça ajoutait un bon petit coup de dynamisme en plus à la page. Alors j'ai fait du même. Alors là j'ai commencé sur la deuxième page. Avec une des cartes aussi. Donc j'ai fait un rappel du noir et du blanc que l'on voit en face. Et toujours pareil, j'ai donc ajouté des couleurs à mes petites découpes. Et là, sur la carte noire, je trouvais que c'était pas terrible. Ça ne ressortait pas assez. Donc du coup, j'ai changé d'avis et j'ai déposé sur une carte blanche 10-15 que j'ai faite dans du Bristol, on l'a vu voilà, taché un peu à l'aquarelle, et je l'ai complété avec une des cartes du kit pour me créer ma propre carte. Elle aurait été un tout petit peu trop grande, donc je l'ai recoupée un petit peu, et ça m'a permis de créer ma propre carte avec à la fois la couleur et l'harmonie du kit et en même temps un petit peu de légèreté avec le blanc. Donc voilà, vous pouvez très bien vous servir de vos cartes un petit peu en dehors de leur premier emploi. N'hésitez pas non plus quand certaines ne vous plaisent bien dans un motif ou un texte à les détourer. Ça peut aussi vous permettre d'ajouter un embellissement totalement coordonnées à vos pages. Donc là, nous restons sur la même chose. Hein. J'ai fait mes petits embellissements, j'ai fait mes petites compositions et ma petite mise en place avec les éléments que j'avais déjà préparés en die-cut, mes petits éléments mis en couleur, mes petits tampons mis en couleur. J'ai rajouté un petit trait de feutre noir. Et le reste de la page va se construire tranquillement.
Alors là, j'ai repris donc au niveau de cette dernière carte un morceau de Bristol qui était utilisé. Donc je l'ai raccordé avec une carte petit format du kit PL pour pouvoir réaliser une carte complète en 10-15. Donc toujours un petit peu d'aquarelle, quelques taches. Là, j'ai rajouté des taches un petit peu plus pigmentées avec mon pinceau moins chargé d'eau pour rajouter des taches un peu plus colorées. Et j'ai utilisé les stickers transparents du kit de la boutique qui sont de chez Studio Forti. C'est vrai que les petits stickers transparents sur le fond blanc des cartes, ça a un très très joli rendu. C'est vraiment aussi chouette sur des photos. Quand vous avez un espace un petit peu libre sur une photo, j'aime beaucoup aussi ce que ça peut donner quand on les pose sur une photo. Et là, toujours pareil, j'utilise donc la fin de mes petites découpes Bristol, sur lesquelles je mets un peu de couleur avec ma palette d'aquarelle Prima. Alors là, j'ai utilisé la palette d'aquarelle. C'est vrai que j'avais dedans toutes les couleurs assorties au kit. Vous pouvez très bien utiliser vos encres Distress, hein, ou autres encres aquarellables. Ça marche aussi très bien pour réaliser les taches et les petites colorisations comme ça, que ce soit des tampons ou des découpes. J'ai fait la même chose qu'en haut, j'ai rajouté un petit trait de feutre noir sur ma carte. Et voilà, on arrive à la fin de la double page. Alors j'espère que cette double page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos. Et je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui vont bientôt partir. J'espère vous retrouver régulièrement pendant tout l'été avec des petites réas en vidéo, que ce soit Project Life ou autre. Je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes heures de scrap et je vous dis à très bientôt.